Prenez un casque, s'il vous plaît, pour pouvoir écouter en anglais. So, in English, good afternoon, everyone. We will remind you that there will be interpreters. So, for you, speakers, we can ask you to take the small device when we will do the panel in French. Thank you. Bienvenue au side event sur l'innovation sur les marchés de capitaux au service de la relance de l'Afrique. Donc, ce side event est co-organisé par Muneca et le Fonds souverain des investissements stratégiques du Sénégal. Donc, bienvenue à tous, que vous soyez avec nous physiquement sur le site merveilleux du Centre des expositions ou en ligne. Nous allons commencer la séance en nous excusant déjà du retard pris et avec une vidéo du mix de l'économie du corps et de la coopération du Sénégal, monsieur Ahmed. Madame la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les gouverneurs des banques centrales des pays de la CEA, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs les membres du secteur privé, chers invités, c'est un grand plaisir de tenir au Sénégal ce forum sur le thème de l'innovation sur les marchés du capitaux pour la relance en Afrique qui se déroule en marge de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique. La pandémie de la COVID-19 a entraîné en 2020 la plus sévère contraction économique de l'Afrique depuis près d'un demi-siècle, avec le recul de 3% du PIB du continent. Les multiples conséquences économiques et sociales de cette crise ont justifié le déploiement par les gouvernements africains de plusieurs programmes de résilience économique et sociale, ainsi que des plans de relance entraînant une forte pression sur les budgets avec une augmentation des besoins de financement public dans un contexte de diminution des ressources internes. C'est ainsi que les pays ont dû creuser leur déficit budgétaire et recourir essentiellement à la dette pour financer ces déficits. Ceci a parfois dégradé leur notation financière avec une incidence immédiate sur leur capacité à lever de la dette sur les marchés internationaux alors que leurs besoins de financement ont augmenté en raison de la crise sanitaire. C'est dans ce contexte qu'est apparu le conflit armé en Ukraine qui vient davantage révéler les vulnérabilités économiques et sociales de l'Afrique, notamment relatives à l'approvisionnement en denrées alimentaires de première nécessité en hydrocarbures. Pourtant, plus que jamais, le continent doit accélérer ses efforts pour la réalisation des objectifs de développement durable qui nécessitent des ressources colossales. Face à ces enjeux, exacerbés par les crises récentes et la forte pression sur les recettes de l'État, il est impératif d'innover, d'identifier de nouvelles alternatives financières pour une relance durable, résiliente et pérenne de notre continent. Cela passe nécessairement par une plus grande participation du secteur privé, mais aussi par un marché des capitaux plus important et plus innovant. À cet effet, il convient de réfléchir sur des options pour mobiliser plus de ressources
pour renforcer les marchés des capitaux. Trois instruments pourraient servir d'exemple. Premièrement, les fonds de pension dans nos pays qui doivent être gérés par des professionnels de l'investissement à l'image des grands pays et être investis dans des projets structurants pour le continent qui, au demeurant, dégagent des rendements très attractifs. Il convient de déplorer que ce sont souvent les fonds de pension étrangers qui bénéficient de ces investissements très rentables au moment où nos fonds de pension investissent à l'étranger dans des actifs peu rentables. L'épargne publique sous forme d'obligations, mais également d'investissements en fonds propres, est un aspect important. J'aimerais à cet effet citer l'exemple de la mise en place du Fonds commun de placement à risque, le FCPR au Sénégal, qui offre la possibilité aux épargnants institutionnels et aux particuliers professionnels d'investir dans des sociétés privées et dans des projets stratégiques de l'État, notamment dans les partenariats public-privé rentables. Pour l'État, il s'agira de partager les retombées financières de certains projets d'infrastructure avec les usagers et de catalyser l'investissement de l'épargne locale dans l'économie. Et enfin, les ressources de la diaspora avec les instruments tels que les diaspora bonds. De plus, il est important d'attirer plus de fonds d'investissement en Afrique qui pourront effectuer leur sortie sur les marchés boursiers qui seront davantage densifiés avec plus de liquidités. Toutefois, afin que le potentiel des marchés africains de capitaux puisse se développer, nous devons renforcer l'environnement et l'infrastructure de ces marchés de capitaux. Il s'agit d'abord de s'assurer que les conditions économiques restent stables pour permettre aux investisseurs de s'engager en toute confiance sur des actifs de plus longue durée. C'est pour cela que nous devons poursuivre les réformes concernant l'environnement des affaires, les rendements, les réglementations financières, monétaires et fiscales, mais également les cadres de gouvernance des partenariats publics-privés qui doivent permettre de soumettre aux investisseurs des projets mieux préparés et mieux structurés. Nos États doivent également être proactifs dans la mise en place de réformes qui renforcent les institutions de régulation et le marché des capitaux pour permettre des procédures d'émission, de sortie, d'acquisition et de cession d'actifs rapide et flexible. J'ose espérer que ce panel va permettre de consolider les acquis en cours et proposer des mesures concrètes pour développer un véritable marché financier. Merci de votre aimable attention. Un homme est très engagé dans la reconstruction de l'Afrique. Sans plus, je vais demander à nos présentateurs en ligne, Mr. Jeff Gebel, responsable de la recherche macro et des produits de taux du groupe APSA, et à Madame Kate Musita, directrice générale de la recherche à l'OMFIF, d'activer leur caméra pour pouvoir rejoindre la salle et nous faire une présentation de l'indice des marchés financiers africains 2021. Donc, Monsieur Jeff Gebel, Madame Kate Musita, s'il vous plaît, activez vos caméras et vos micros. The floor is yours. Bon après-midi et merci pour cette opportunité de parler de ces sujets importants. Our starting point for the Africa Financial Markets Index is that effective financial market development can best ensure that Africa is well placed to attract global capital, and just as importantly, that Africa encourages the effective use of its domestic financial assets as well. To do that, we believe that African regulators and policymakers, the exchanges, the providers of capital, and the users of capital are best served by a financial market system that is open,
and transparent and accessible. And that this is going to be even more important as Africa seeks to recover from the ravages of the global pandemic and position itself in this environment where global money is not as easy. Together as partners, the Official Monetary and Financial Institutions Forum, OMFIF, and ABSA look to provide an information data set where countries can easily be compared, with which discussions, debate, and learning can be encouraged, and that as a collective, Africa can push forward. October 2021 saw the release of the fifth annual index. The index covers 23 countries, up from an initial 17. And with that, we cover about two-thirds of the continent's population and nearly 80% of the GDP. We have the tiny island nation of Seychelles and the huge economy of Nigeria. We go from Cape to Cairo with South Africa and Egypt. We have French-speaking nations such as Cote d'Ivoire and Senegal. We have Portuguese-speaking countries like Angola and Mozambique, and the Anglophone countries as well. For the coming edition, for the 2022 edition, we will include three more countries: the Democratic Republic of Congo, Madagascar, and Zimbabwe, at the request of and with help from our partners at SADC. We'll be launching the sixth edition at the sidelines of the IMF World Bank annual meetings this coming October. If we move forward a page, or if you stay on that page, please. Before we get to the index scoring itself, I want to highlight a few of the qualitative aspects that I think really make the report valuable. First, despite the challenges of the pandemic, it's clear that financial market development remains a focus for many countries in the index. You'll see a few examples in front of you now. For early market development, we have Lesotho preparing to list its very first company on the stock exchange. Ethiopia in 2021 moved closer to the opening of its securities exchange with new legislation through parliament. Facilitated retail investment in countries like Malawi, which introduced a WhatsApp portal that helped put retail investors in touch with how to invest and with information on the companies that were there. And we focused on long-term financing. Kenya raising $750 million in a 21-year infrastructure bond. Tanzania lengthening its domestic yield curve out to 25 years. Second, just as the case is globally, there's a lot of financial market innovation happening across the continent. If we move forward a page on the slideshow, I want to touch upon two broad topics. In the 2020 edition of the index, we included a box highlighting progress in ESG across the continent. And this year, it becomes a formal part of the index. Loosely speaking, we include the availability of ESG type products in the first pillar. And you can see this in the first five rows of the table in front of you, where we cover green or sustainable bonds and equities or their related products. I'm really pleased to be able to highlight how Morocco, along with Kenya, take first place in this part of the index, with South Africa and Ghana following closely behind. But just nine countries of the 23 that we cover scored above the minimum in this category. So there is much progress to be made. The third pillar of the index, we reward countries that have sustainability-focused policies covering ESG assets. For example, incentives for issuing ESG assets, the integration of ESG into financial market standards, or in applying climate stress testing, where, for example, South Africa takes a clear lead. Here, 13 countries from the index scored more than the minimum. But between those two categories, one of the nice things that we've seen is that already since the release of the 2021 index,
We've seen many countries make further progress in this area. We have also written in the report around digital and fintech innovation. There it's around the automation and digitalization of trading platforms. It's about stock exchanges using technology to help encourage retail investment. It's about regulatory sandboxes to for fintech and innovation, digital currencies and assets. And we covered this in the report as well. But perhaps if we move forward in the slideshow. There, perfect. I'll ask some questions about how we generate the scoring. As you might expect, there's no clear way to measure such an expansive idea as openness and transparency and accessibility of financial markets. So we've approached it by measuring many things. We've organized around six key themes or pillars. And across those six groupings, we've captured more than 40 concepts in the index. For annual data, the data age was 2020. For some of the market data, it was more advanced. You'll find a complete list of all of the variables and concepts that we covered towards the end pages in the physical report. But we're going to go through each pillar of the report in a little bit more detail. And so we'll cover off what they mean in those spaces. But I would say this, in the 5 years of reporting on the ABSA African Financial Markets Index, often the focus is on the headline rankings itself. So let's get that out of the way. If we move forward in the presentation, then we can see the headline results. Perfect. You can also find these in the physical report on pages 7 through 9, detailed in different ways. First, the top three countries for the fifth edition, 2021 edition, are unchanged. South Africa leading the index, followed by Mauritius, followed by Nigeria. But importantly, all three countries saw their scores fall in 2021. Indeed, of the 23 countries in the index, 19 saw their scores slip during the year. And there are three broad reasons that we see around that slippage in the most recent edition of the index. One, we've included ESG, we've included sustainability-related measures. But as I highlighted just a moment or two ago, for many countries, this is a process in which they're very early, a very early stage in. So we're sure that scores there will improve in the periods ahead. We made some small methodology changes that also, frankly, hurt some countries. For example, earlier editions of the index included some data from the World Bank that appeared in the Ease of Doing Business survey. You will know that that survey has been canceled by the World Bank. And so these parts of the scoring have fallen out of the index. But there was also, frankly, some deterioration in scoring for some countries. Market turnover for many countries in the pandemic period slipped, and that hurt scoring. For some countries, they saw economic growth fall, public debt rise. This hurt scoring. And for some areas, we saw some reversal in sort of open and transparent macroeconomic data. And of course, that hurt scoring as well. That said, there were some outstanding performances within the index in 2021. Four countries managed to improve their score despite the very difficult environment. Ghana and Uganda moved up to the top five overall for the first time. Malawi, a country that focused very much on financial market development over the period, rose from 18th place to 10. So there's a lot to celebrate in the scoring as well. But let's speak about those individual, the six pillars now in a little bit more detail. Let me hand over to my colleague, Kat Isita from OMFIF to talk you through the first three. Hi, if we can just move to the next slide, please. So here we have pillar one,
For pillar one, we look at 14 different indicators that look at market depth. So this is the pillar of the report that really allows us to see how things are changing in a country's capital markets. The 14 indicators that go into this pillar, we've classified in 5 categories. So these are product diversity. So what products are available and traded on the stock exchanges. This includes the ESG products that Jeff mentioned earlier. We look at size of markets. So market capitalization, as well as how large the bond markets are. We look at liquidity. So how active is trading on the exchanges. We look at depth. Among other things, we check here if there are secondary market makers in those countries. And then we also check if there is a primary dealer system existing in that market. You'll see in the graph in front of you that each color, each different color of these bars represent one of those categories that I just mentioned. The height of the bar indicates the score for 2021. So how high the bar is, that is basically their score for 2021. The dots that you see represent their score the previous year, so in the 2020 index. The good thing about this annual project is that it enables us to track progress over time, see where countries are improving and see where their scores are declining. In the 2021 index, we can see for pillar one that liquidity pulled down scores. So if you look at the pink bar in the middle of the chart, that represents liquidity. And because we were looking at market data from the second half of 2020 and the first half of 2021, we could see the effect of the pandemic on equity markets, slowing down trading and pulling down the score for liquidity for most countries. Despite this, there were some outliers. So you will see the pink bar for Egypt, for example, is still quite large. Egypt's equity turnover was quite high during the time period that we were measuring. Morocco as well moved up quite significantly in this pillar. So it went up by 8 places in rank and its score went up by 16 points. A big part of this is because of Morocco's inclusion of sustainable finance products that we included starting last year. Moving on to the second pillar, so pillar two, pillar two looks at access to foreign exchange. So in this pillar, we're trying to measure how easy it is for investors to move capital across borders. So we look at foreign exchange liquidity. We measure this by looking at interbank foreign exchange turnover. We look at the severity of capital controls for foreign exchange, if there are any. We look at the availability of official exchange rate data that investors can rely on. One indicator that we measure in this pillar that affected scores in 2021 is the ratio of net portfolio investment to foreign exchange reserves. We use this measure as a way to see if a country has enough foreign exchange buffer against sudden shocks or sudden outflows of capital. Because during the pandemic, many countries had to draw down from reserves. Several of them had foreign exchange reserves levels go down. So this affected their scores in the index. Having said that, there are some countries that still did well. For example, in the case of Eswatini, their rank went up 11 places and their score went up by 14 points. This is partly because despite being a small economy with a relatively smaller level of reserves, their foreign exchange reserves went up during that time period. If I move on now to pillar three, slide please. Pillar three looks at market transparency, tax, and regulatory environment. So this looks at whether or not a country's investment environment is attractive to investors, especially foreign investors. We look at a number of things in this pillar. We look at financial stability regulation. We measure this by checking what level of the Basel Accords are being implemented in the country's banking system. We look at reporting and accounting standards. We check if a country is implementing international financial reporting standards or IFRS.
And starting last year, we started looking at whether or not a country has policies that encourage ESG investment. Some of these were already mentioned earlier. So these are the metrics on incentives for ESG products, as well as climate stress testing for the central banks. In this pillar, we see Kenya improving quite well from the previous year. One reason for that is because of their good performance on ESG metrics. Kenya, for example, has tax incentives for investments in green bonds. So these are the kinds of regulations that we started looking at in Pillar 3. I'll hand over back now to Jeff so he can talk you through the last three pillars. Jeff, if you can unmute. Thank you, Kat. Pillar 4 measures local investor capacity based on the amount of pension fund assets that are available in the country relative to the population and relative to the market cap. It's the lowest scoring pillar each year in the index, and that is of little surprise. 16 of the countries have pension fund assets of $250 per capita or less. And for 17 countries, this year's scores is lower than last year. Part of the explanation no doubt lies in a decline in pension fund assets, where it fell for 11 countries. And that was during the COVID period where there were contribution holidays in some countries. Some countries temporarily eased rules that allowed people to withdraw from their pension to help support their families during COVID. And of course, employment fell, unemployment rose, which also meant less money coming into the funds. But it was also impacted by some of the lack of liquidity as well as turnover in these markets shrunk, and that's part of our measurement. That said, there are some positive stories here as well. For example, Uganda's pension fund assets may be very small, but the rules have changed to help an industry that so far has been very government security focused to allow pension funds to be able to invest in real estate investment trusts, for example. If we look to Pillar 5 assesses the country's macroeconomic performance, the country's export competitiveness, banking sector health, the quality of governance, fiscal transparency and sustainability, and others. It tends to be the very best performing index for many countries in the index. And this year we saw both scores remain relatively high, but more countries slip than others. And certainly in that space, many countries were impacted by lower economic growth during the pandemic. Many countries were impacted by higher public debt as a consequence of the pandemic. And in those cases, we expect to see some reversal in the periods ahead. But worryingly, in the context of the index, where we want to reward countries for being open and transparent and accessible, worryingly, we saw for some countries, the data transparency slipped a little bit lower. In some cases, data was available with longer lags than before. In a few cases, the frequency of data was cut from monthly to quarterly, from quarterly to annual. And so the deterioration in Pillar 5 isn't just a short-term impact as a consequence of COVID, but also highlights some broader deterioration. I'm going to mention Pillar 6 just briefly, but in the interest of time, we won't show the detailed results here. But Pillar 6 is really about the strong legal frameworks. It's about rules on financial asset and property rights. It's about the acceptance of internationally accepted legal standards with a view that greater progress on these fronts help build a much more attractive and actionable investment environment. And there in particular, you can see countries like Ghana and Uganda, Malawi, making very significant improvements in 1 year. Now,
let me bring our portion of today's event to a close here by saying that I'm very happy to report that at the same time, we're encouraging countries to be open and transparent and accessible. If we move forward one page, we are also running the index in a similar manner. So the underlying data that's used to score countries, the detail behind that is available for everyone to see. There's an interactive database on the web via OMFIF, and the report itself in all of its detail is available via OMFIF or through the APSA website. So on behalf of OMFIF, Kat, APSA, and myself, thank you very much for your time. We trust that today's presentation is helpful and that we are all engaged in financial market development across the continent. Thank you. Thank you so much, Jeff and Kate. Nous allons poursuivre avec les questions, si vous en avez, pour Jeff et Kate. Merci beaucoup. Donc, merci pour l'organisation de ce séminaire très, très intéressant. Moi, j'ai une question rapide. Je vois qu'il y a un effet taille dans l'index qui est très, très apparent. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le neutraliser, notamment peut-être par des pondérations, etc. Merci. Merci. Donc, vous êtes monsieur Professeur Nabil Jitlan. Monsieur Jeton. Merci beaucoup, professeur. Donc, Jeff, Kate, si vous voulez déjà répondre à cette première question. Apologies, moderator, but we weren't able to hear the translation of the question. D'accord, nous allons lui demander de reposer la question pour que le traduction. My apologies. It seems that we may be having some technical difficulty. Kat and myself would be very happy to answer all of the questions following the session directly, perhaps if it's possible to email. Thank you very much. I think I heard the question, but the question was if we apply weighting on the scores. Yes, the country scores and the pillar scores are standardized, so countries are scored against each other. So they are not based on the absolute values of the data that we're putting in, but rather their relative position to each other. And also to explain a bit more, part of the reason for that is, as you all are aware, the differences across different, the high degree of variation in each African financial market is quite high. You have South Africa being the most advanced in terms of financial markets. And then you have countries that don't even have a stock exchange yet, but are just in the process of launching one. So that's why we had to apply that methodology in the scoring. Merci, Kay. Donc, nos panélistes aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. Est-ce que d'autres personnes dans l'assistance ont des questions ou Sonia, avons-nous des questions qui sont arrivées en ligne? D'accord. Bon, si nous n'avons pas plus de questions, Jeff, Kate, nous vous remercions. Je pense que votre présentation a été suffisamment claire. L'assistance adhère à ce que vous avez dit. Et nous vous remercions encore pour le temps que vous nous avez consacré. À bientôt. Thank you for having us. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième partie avec le panel de discussion. Donc, le panel sera déroulé en français.
Donc, nous avons demandé aux anglophones ou aux partenaires ne parlant pas français de passer tout de suite en mode traduction. Et nous allons demander aux panélistes et aux modérateurs, à chaque fois que l'un d'entre vous ne prend pas la parole, qu'ils prennent le soin d'éteindre son micro. Merci beaucoup. Donc, le panel porte sur l'innovation sur les marchés de capitaux. Je vais céder la parole au modérateur, Monsieur Ibrahim Emmanuel. Merci, Fatoumata. Bonjour à tout le monde. Mesdames et messieurs, honorables et distingués participants et invités en présentiel et virtuel, chers experts et panélistes, chers organisateurs. Avant de démarrer, je me présente donc Ibrahim Mané, je suis le directeur général en charge de la coopération des financements extérieurs et des partenariats au ministère de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal. Et j'aurai le privilège d'être le modérateur de ce panel qui relève plus que jamais de l'actualité autour de ce thème d'innovation dans les marchés de capitaux pour la relance de l'Afrique. Mesdames et messieurs, je pense que le speech, les keynotes du ministre honorable Amadou Ott, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, a déjà campé le débat. Et comme vous le savez, depuis l'apparition de la pandémie sans précédent de la COVID-19 au début de l'année 2020, les gouvernements africains ont annoncé des plans de relance budgétaire dont les coûts varient entre 0,02% du PIB au Soudan du Sud à près de plus de 10% en Afrique du Sud. Ces plans de relance budgétaire ont eu des impacts immédiats et significatifs sur l'équilibre budgétaire. Les besoins d'emprunt et les niveaux d'endettement des États. En même temps, le continent doit relever le défi de réaliser des objectifs dans l'agenda 2030 pour le développement durable et celui de l'agenda 2063. Il n'est plus à démontrer que les financements innovants et les marchés des capitaux jouent un rôle de plus en plus primordial et important dans la croissance économique durable et du développement des écosystèmes financiers. Cependant, un bon nombre de défis restent à être relevés pour l'Afrique et c'est pourquoi aujourd'hui, nous aurons le privilège d'écouter et d'interagir avec d'éminents experts reconnus en Afrique et sur l'international sur ces sujets. Mesdames et messieurs, nos panélistes sont au nombre de 4. 2 sont présents et 2 sont connectés et nous disposons d'un temps assez limité sur ce sujet qui est très vaste. Et puisque le temps nous est compté, je resterai très bref sur la présentation de leur brillant parcours individuel, justifiant tout à fait leur présence dans ce type de débat. Je vais démarrer par Dr Edo Kossi Amenoumbe, qui est à l'extrême droite, qui est titulaire d'un PhD et d'un MBA Option Finance de l'Université de Laval au Canada. Il occupe depuis octobre 2012 les fonctions de directeur général de la BRVM et du dépositaire Central Bank de Règlement. Le parcours riche et varié de Dr Amenoumbe fait de lui un des spécialistes et réformistes en finance les plus influents en Afrique. Des publications également sont à comptabiliser à son actif. À côté de lui, M. Babacar Nying, qui est titulaire d'un diplôme d'ingénieur à l'École centrale de Paris et occupe actuellement le poste de directeur exécutif en charge des investissements du Fonds souverain d'investissement stratégique FONSIS au Sénégal. M. Nying a occupé des postes de top manager dans de grandes institutions au Sénégal et à l'étranger et a couvert des missions en tant que consultant senior en financement et gestion de grands projets pour le compte de firmes de renommée dans la sous-région. Nous avons également en ligne Monsieur Papa Madiar Ndiaye, qui est titulaire d'un MBA de la Wharton School of Business, également d'un Master en Affaires internationales du Lowry Institute de l'Université de Pennsylvania et auparavant d'un Bachelor à Harvard College. Il est actuellement le CEO et associé fondateur de AFIC Funds, un fonds de capital investissement. Monsieur Ndiaye également dispose d'une expérience très riche dans de grandes institutions basées aux États-Unis. Enfin, notre dernier panéliste, le docteur Patrick Olomo, qui est titulaire d'un
doctorat en économie à l'université de Deschamps, Cameroun, et actuellement économiste, chargé des politiques d'investissement et de la mobilisation de ressources à la Commission de l'Union africaine basée à Addis. Dr Olomo effectue des recherches sur l'économie et la finance internationale, l'investissement, le secteur privé, la réglementation et les institutions et l'évaluation des politiques. Le Dr Olomo est également rédacteur en chef adjoint de la Revue africaine de l'intégration et du développement de la CIU. Alors, nous allons faire deux rounds de questions très rapides. Le temps est limité, donc on va demander à nos panélistes d'essayer d'être clairs et concis. Et le premier round va porter sur un peu les performances des investissements et des marchés capitaux africains pendant la pandémie. Je vais vous poser la question au Dr Aminoubé. Docteur, dites-nous, comment les marchés financiers se sont-ils comportés pendant la pandémie? Merci, Monsieur le modérateur. C'est un grand plaisir pour moi. Merci, Monsieur le modérateur. C'est un grand plaisir pour moi de participer à ce panel sur les conditions de reprise de la croissance en Afrique après la pandémie. Vous savez, les marchés de capitaux africains ont été très résilients pendant cette pandémie. Au début de l'année 2020, alors que les marchés internationaux en Europe ou aux États-Unis connaissaient, je dirais, une chute en moyenne autour de 15-20%, les bourses africaines ont été plus résilientes en affichant une volatilité beaucoup plus faible et une baisse beaucoup plus faible également de moins de 10%. L'année 2021 a été plutôt une très bonne année pour les marchés de capitaux sur notre continent, puisque les bourses africaines, pour la plupart, se sont inscrites dans le vert, avec des performances exceptionnelles au Ghana, par exemple, autour de 50% de progression de l'indice ghanéen, mais la BRVM également de plus de 30%. Donc, tout cela montre bien que les fondamentaux des économies africaines sont, je dirais, les moteurs de l'évolution des marchés de capitaux sur notre continent. Il est clair également que pendant la pandémie, les bourses africaines ont adopté, je dirais, des règles de fonctionnement qui ont permis de préserver la confiance des investisseurs locaux et des investisseurs internationaux. Nos marchés n'ont pas fermé pendant la crise. Nous avons trouvé les moyens d'assouplir les conditions de diffusion d'informations par les émetteurs. Nous avons trouvé les moyens aussi de réduire la volatilité de nos marchés et donc maintenir la confiance dans les bourses africaines. Mais il en demeure pas moins que pendant cette crise, nous avons tiré des enseignements qui aujourd'hui nous permettent de dessiner les voies du futur des bourses africaines. D'abord, premier enseignement, il faut que nous puissions travailler sur l'intégration de nos marchés. Nos marchés restent très fragmentés, de petite taille, et nous devons travailler à les faire parler davantage ensemble. C'est pour ça qu'au sein de l'Association des Bourses africaines, nous avons un projet phare que nous appelons African Exchanges Linkage Project, qui est pour nous le projet qui permettra de, je dirais, d'interconnecter les bourses depuis le Caire jusqu'à Johannesburg. L'idée étant de pouvoir donner une vue globale de l'évolution des marchés sur le continent et également des performances des sociétés cotées. Aujourd'hui, les bourses africaines ont une capitalisation de l'ordre de 1 580 milliards de dollars américains, avec, je dirais, environ 2 000 sociétés cotées. Mais nous représentons malheureusement que moins de 2% de la capitalisation boursière mondiale. Donc, il nous faut travailler vraiment à ce que l'intégration de nos marchés soit le moteur, non seulement de leur profondeur, mais de leur liquidité. Merci. Nous. Merci, docteur. Okay. On vous donnera le deuxième round. D'accord. Très bien. Sur cette question-là. Monsieur Nguyen, la question que je vous pose, c'est comment le secteur financier a-t-il
soutenir les gouvernements africains pendant la pandémie. Merci, Monsieur le modérateur. Alors, de manière générale, le secteur financier s'est présenté comme un support fiable pour les gouvernements à travers plusieurs initiatives. Au niveau des DFIs, par exemple, la mise en place de facilités pour financer en fait des entreprises en difficulté. Au niveau des banques également, le blocage en fait des remboursements des prêts pour les entreprises en difficulté et plein d'autres initiatives. Mais j'aimerais plutôt faire un focus dans le cadre du Fonds 6 comme un fonds souverain. Comment le Fonds souverain du Sénégal a justement accompagné le gouvernement du Sénégal pendant la pandémie. Il y a eu en fait deux phases. Une phase d'urgence, une phase post-urgence. Dans la phase urgence, l'accompagnement a consisté à capitaliser sur notre flexibilité pour en fait donner des solutions sur mesure à des problèmes urgents auxquels le pays était confronté. Par exemple, nous étions en train de construire des hôpitaux en mode PPP, on les a transformés en centres d'urgence pour pouvoir en fait faire face à l'explosion du nombre de malades. Donc, c'était des centres d'urgence dernier cri avec plus de 100 lits, des respirateurs, etc. Et même, ça a même permis de pouvoir alimenter d'autres hôpitaux du pays en respirateurs. Deuxième élément, c'est par rapport à la rupture des chaînes d'approvisionnement international. Le Fonds souverain du Sénégal a restructuré la plus grande et unique industrie pharmaceutique du pays qui fabrique des médicaments en full process, c'est-à-dire de bout en bout, et qui était la seule qui est capable de fabriquer de la chloroquine. C'est une société qui était en difficulté, qui allait faire faillite. Donc, le Fonds souverain a investi. Aujourd'hui, la société elle est relancée et ça permet au Sénégal de pouvoir assurer localement une capacité de production. Maintenant, postérieurement à la phase d'urgence, l'action du Fonds souverain a consisté à deux choses. D'abord, accélérer le déploiement de fonds d'investissement pour les PME. Nous avons aujourd'hui un fonds de 100 milliards. Le plus grand fonds qu'on avait, c'était 4 milliards. Aujourd'hui, on va partir sur un fonds de 70 milliards, 100 millions d'euros, qui est destiné en fait aux PME à fort potentiel, qui les apporte à la fois des fonds propres, mais de l'assistance technique. L'assistance technique pour pouvoir renforcer leur gouvernance, mais également le management. Deuxième élément, c'est un fonds avec le ministère de l'économie qu'on appelle fonds de relance pour pouvoir permettre de financer en dette senior et en fonds propres les entreprises qui se portaient bien et qui ont été impactées par la COVID. La partie dette senior passera par un mécanisme de on-lending à travers les banques de la place. Et dernier élément qui a été fait, en fait, dans la période post-relance, c'est de voir, en fait, dans quelle mesure le fonds souverain peut, en fait, conseiller, en tout cas, pour sponsoriser certaines réformes, notamment pour déployer des PPP, des schémas PPP, dans plusieurs autres secteurs à fort potentiel. Donc, en substance, dans le cadre du Sénégal, c'est ce qu'on peut dire. Et au-delà du Sénégal, on voit dans beaucoup d'autres pays dans le monde que les fonds souverains ont été mis à contribution par les États pour rapidement réagir, en fait, et financer soit des solutions urgentes, soit, en fait, des projets stratégiques pour les pays compte tenu de l'exposition, en fait, des différents pays aux aléas internationaux par rapport aux chaînes logistiques. Par exemple, un pays comme le Maroc, c'est pendant cette pandémie qu'ils ont déployé un fonds stratégique d'investissement avec une capitalisation initiale de 5 milliards de dollars. Donc, on voit bien que, à terme, ces fonds sont des instruments flexibles et souples qui peuvent permettre au gouvernement rapidement de déployer des solutions adaptées à des situations d'urgence. Très bien. Merci. Nous avons une question pour M. Papa Ndiaye, qui est connecté. Monsieur Ndiaye, comment les investisseurs perçoivent-ils les marchés africains et quelles sont les principales orientations en matière d'investissement? Merci et c'est un plaisir de pouvoir me joindre à vous de manière virtuelle. J'aurais préféré être sur place, malheureusement ce n'est pas le cas. Je pense que pour les investisseurs continuent de percevoir l'Afrique très positivement sur trois volets principaux. Le premier, c'est comme source potentielle d'entreprises en croissance dans lesquelles elles peuvent investir. Le deuxième volet, c'est par rapport en représentant une source de financement pour certaines des entreprises déjà existantes et dans leur portefeuille de fonds d'investissement. Et troisièmement, l'Afrique est aussi une potentielle voie de sortie pour les investissements par la vente d'actions détenues par les capital investisseurs que nous sommes, que ce soit dans la bourse ou en émission boursière ou en vente à d'autres intervenants. Ce que je pourrais dire, c'est que l'intérêt pour l'Afrique est, je dirais, un tout petit peu surprenamment pour certains, reste intact.
Nous avons eu l'honneur d'accueillir à Dakar il y a 2 semaines tous les investisseurs financiers intéressés par l'Afrique à Dakar, et l'engouement était extrêmement élevé. Nous n'avons jamais vu autant d'intervenants venir à une conférence de ce genre, et le nombre de transactions qui en sont ressorties était très élevé. Donc, je pense que ceci est une manière pour notre secteur de l'investissement de reconnaître la résilience du continent et de pouvoir être encore plus impliqué dans cette relance dont nous parlons. Merci. Merci pour cette réponse. Enfin, nous allons poser la dernière question au docteur Olomo. Docteur, quel a été l'impact des mesures d'urgence et des plans de relance budgétaire sur le secteur financier? La parole est à vous. Merci. Tout d'abord, bonsoir à tout le monde et puis merci de m'avoir avec vous ce soir. L'incidence, en fait, de la pandémie sur le secteur financier, de notre point de vue à l'Union africaine, a été assez importante. Je pense que les premiers intervenants ont déjà donné une idée, en fait, de ce qu'il y a eu comme incidence, en fait, sur le secteur productif et sur le secteur financier. Je voudrais m'appesantir sur un point qui nous paraît tout à fait important. Déjà, si vous regardez la structure de la dette des pays africains depuis la pandémie, vous allez voir que les niveaux de dette sont relativement élevés. Et donc, de ce point de vue-là, les pays africains ont affronté la pandémie de la COVID-19 et aujourd'hui la crise russo-ukrainienne avec relativement moins de ressources. À titre d'exemple, le ratio dette sur PIB était assez faible. Lorsque nous engagions la crise de 2009, la crise financière de 2009, mais ce ratio dette sur PIB a extrêmement augmenté avec la pandémie. Donc, de ce point de vue-là, vous voyez que nos pays disposaient déjà d'une marge de manœuvre assez faible pour faire face à la pandémie. Et donc, de ce point de vue-là, la mobilisation du secteur financier a été importante. Et je pense que les premiers intervenants ont essayé de présenter un petit peu les mesures de résilience qui ont été prises par les différents régulateurs, notamment le renforcement de la surveillance et la mise en place d'un ensemble de mécanismes de stabilisation qui ont permis de réduire, en fait, l'impact de cette crise sur le secteur financier. On le voit également au niveau au niveau continental. La nécessité de renforcer l'intégration régionale revient à l'avant-plan de la discussion. Et donc, de ce point de vue-là, il est important pour nos pays d'œuvrer ensemble, en fait, à la mise en place d'une décision de la conférence des chefs d'État qui avait été adoptée il y a très longtemps, en 1991, notamment avec l'adoption du traité d'Abuja, qui consistait justement à établir les institutions financières panafricaines, institutions qui sont appelées à renforcer la résilience de nos économies face aux chocs externes, comme ceux que nous connaissons aujourd'hui, notamment avec la création d'une banque centrale africaine, d'un fonds monétaire africain et d'une banque d'investissement africaine, avec en toile de fond une quatrième institution qui est une bourse des valeurs mobilières panafricaine, pour éviter justement les problématiques de fragmentation et de faible capitalisation que connaissent nos bourses aujourd'hui. Donc, de ce point de vue-là, le secteur financier a tout à fait bien réagi et nous pensons que la résilience du secteur financier peut être renforcée au-delà de la crise pour définir ce que sera le plan de relance africain dans l'ère post-COVID et post-guerre russo-ukrainienne. Merci. Merci, docteur. Donc, après ce premier round, mesdames et messieurs, je pense que nous avons pu, à tour de rôle, pu en tout cas constater certains résultats sur le marché financier. On a pu prouver sa résilience aujourd'hui. Parler également de l'intégration des différents marchés comme un chantier en perspective. On a pu illustrer à travers également des exemples comme le fonds souverain que ces fonds ont été une solution pour faire face aujourd'hui à des États qui sont quand même contraints par des niveaux de dette assez élevés et pas beaucoup d'options.
par face aux besoins des populations et aux besoins en infrastructure. Donc également, de montrer que la perception des investisseurs reste constante aujourd'hui, malgré l'impact de la pandémie sur nos différentes économies, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique reste quand même une source potentielle de développement, une source potentielle, en tout cas une terre d'investissement, mais pour laquelle nous avons quand même certains défis. Et c'est en cela que j'ai envie de vous écouter, chacun à tour de rôle, dans le même ordre, des questions qui ont été posées dans le premier round, sur un peu la perspective et un peu les recommandations que vous donnerez, et un peu ces mesures concrètes sur lesquelles je pense que, docteur, vous avez commencé déjà à lancer quelques ébauches, et c'est pourquoi je vous disais que vous pourriez toujours revenir là-dessus. Donc, à tour de rôle, j'aimerais écouter aujourd'hui, et pour l'assistance au niveau de chacun de ces experts, de nous édifier un peu plus sur quelles sont, d'après vous, les solutions, les instruments financiers innovants, quelque part les priorités qui permettront d'accélérer et de soutenir la reprise, en tout cas, de l'Afrique, disons, et des marchés financiers dans le court terme. Merci. Docteur, la parole est à vous. Merci beaucoup. En termes, effectivement, de solutions, il faut que nous puissions accélérer un certain nombre de réformes, mais également de chantiers d'intégration sur le continent. D'abord, il me paraît important d'aller très vite sur la question des règlements transfrontaliers. Il faut que le programme, je dirais, d'interconnexion des systèmes de règlement et de paiement au niveau continental soit accéléré, parce que c'est pour moi le meilleur moyen de pouvoir encourager effectivement les transactions entre nos pays. Il faut qu'on aille très, très vite là-dessus. Il y a la question de l'accélération aussi de l'intégration des bourses pour pouvoir permettre la fluidité des capitaux entre les marchés. Il y a des pays qui sont en excès de fonds et de ressources de long terme à travers leurs fonds de pension, à travers leurs compagnies d'assurance, qui peuvent servir à d'autres pays, puisque, évidemment, d'après les travaux que APSA a fait sur l'indice africain, il y a quand même un certain nombre de performances que l'on a pu observer dans certains pays, qui peuvent profiter à d'autres. Donc, l'intégration, pour moi, est un élément extrêmement important. Il faut que nous puissions également travailler sur les produits innovants. Le ministre a parlé tout à l'heure de diaspora bonds pour pouvoir attirer les fonds de la diaspora africaine vers nos marchés de capitaux. Il y a également tout ce qui est produits structurés pour nos économies. Il y a la question du financement de nos PME, comment accélérer leur accès aux marchés de capitaux, aussi bien pour la dette que pour le capital. On pense essentiellement à tout ce qui est mini-bonds, basket-bonds, pour pouvoir permettre à ces PME d'accéder à nos marchés. Il y a leur participation sur des marchés alternatifs, sur tout ce qui est troisième compartiment, etc., avec des mesures d'accompagnement. Mais il y a aussi un aspect important, c'est comment utiliser mieux la technologie pour pouvoir accélérer l'inclusion financière et boursière sur notre continent. Comment faire en sorte que, à travers la technologie, on puisse mobiliser davantage de ressources pour pouvoir investir ces ressources-là dans le système financier de l'Afrique. Très bien, merci. Babacar, la parole est à vous, monsieur Ni. Merci bien. Moi, d'abord, je voulais commencer par un diagnostic. Quand vous regardez les ratios de financement de l'économie, en fait, en Afrique, globalement, ils tournent autour de 27-28%. Il évolue très peu sur les dernières décennies. Et quand vous regardez, en fait, comment faire pour booster ces ratios, en fait, ça traduit les financements donnés à l'économie par rapport au PIB de ces pays. Vous vous rendez compte que les banques ont des contraintes parce qu'ils ont les règles prudentielles, Bâle 2, Bâle 3, qui rendent très difficile, en fait, de pouvoir massivement financer l'économie. Les États, le docteur Zana en a parlé, les États, en fait, ont les ratios dette sur PIB qui sont surveillés de très près par les institutions internationales. Donc, en fait, aujourd'hui, en Afrique, on a besoin de développer massivement le private equity, les fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement sont des solutions flexibles qui sont ouvertes au risque. Ils ont une plus grande tolérance au risque.
Et en plus de cela, les fonds d'investissement offrent aux PME, pas seulement de la liquidité, mais également de l'assistance technique. Parce que quand vous investissez dans une PME et vous ne prenez pas de garantie, vous avez besoin de vous assurer que le business plan est bon, mais que le management est bon. Il y a une capacité, en fait, à réaliser le projet. Donc, du coup, les entreprises sont doublement bénéficiaires. Elles ont de la liquidité, elles ont de l'assistance technique. Et l'autre élément, c'est que les fonds de private equity auront un impact positif sur l'intégration entre le private equity, donc les sociétés non cotées, et la bourse. Parce que le ministre en a parlé dans son discours tout à l'heure, ces fonds de private equity peuvent utiliser la bourse comme exit, pour sortir en bourse. Donc, ça permet de prendre des entreprises à fort potentiel, les préparer, et une fois qu'en fait l'investissement est mûr, sortir en bourse et les coter. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est en fait, en termes d'innovation, comme vous disiez tout à l'heure, utiliser ce dont le ministre a parlé, les fonds communs de placement de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons de l'épargne. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas de l'épargne. Quand vous regardez les comptes de la Banque centrale, les rapports de la Banque centrale, on a une épargne qui est énorme. Mais souvent, cette épargne, elle est captée par deux choses. Les comptes DAT dans les banques et le real estate, donc l'immobilier. Aujourd'hui, le challenge pour l'Afrique, c'est comment faire pour réorienter cette épargne vers les secteurs productifs. Et pour cela, des instruments comme le fonds commun de placement de risque peuvent être une solution parce que ça permet à n'importe quel acteur économique, quel citoyen, de pouvoir mettre de l'argent dans, en fait, voilà, un véhicule qui va investir dans des projets PPP ou dans des entreprises. L'autre élément, c'est le crowdfunding. Au Sénégal, une communauté a réalisé un projet de plus de 17 milliards de francs CFA, donc 34 millions de dollars, juste avec du crowdfunding. Donc, le potentiel, il est là. Si aujourd'hui, on arrive à formaliser des mécanismes qui permettent à n'importe quel acteur africain de mettre son argent dans un projet auquel il croit, quels que soient ses moyens, et d'avoir un minimum de surveillance, l'initiative qu'on a vue au Sénégal qui a permis de construire une mosquée de 17 milliards peut être répliquée demain pour faire peut-être des agropoles, pour faire peut-être des villes nouvelles, pour faire des quartiers nouveaux, etc., etc. Troisième et dernier élément, c'est j'ai parlé en fait des fonds d'investissement qui sortent vers la bourse avec en fait voilà, les exits, mais également on voit de plus en plus dans le monde, dans les pays développés, des instruments qu'on appelle des SPAC, donc des Special Purpose Acquisition Company. C'est des véhicules qui sont créés, qui lèvent de l'argent en bourse et qui vont cibler un profil de société donnée, ils les acquièrent, ils les font développer et ils les cotent en bourse. Et en fait, finalement, avec ces genres d'instruments, ça permet de faire le chemin inverse. Lever l'argent en bourse, l'injecter dans les sociétés d'un côté et ensuite remettre les sociétés en bourse. Et pour nous, en tout cas, d'un point de vue de fonds stratégiques, qui a en fait un mandat de pouvoir être un catalyseur pour la transformation économique, le fait d'avoir un tissu de PME solide, qui sont des champions nationaux, qui tiennent notre économie et qui passent de l'État non coté à un État coté, est extrêmement déterminant pour en fait justement notre transformation économique. Et pour cela, des mesures, des réformes qui permettent de développer les fonds d'investissement, le private equity, formaliser, encadrer le crowdfunding, ce sont à court terme en tout cas des clés et des leviers sur lesquels l'Afrique peut s'appuyer pour très rapidement faire un leapfrog, comme vous disiez tout à l'heure. Merci M. Ning pour ces mots. Monsieur Ndiaye. Merci. Je pense que c'est presque parfaitement agencé que j'intervienne à ce moment, puisque d'abord, ce que le ministre Amadou Ott a dit, puis l'intervention de Monsieur Aminou Nguyen et de Monsieur Ning me permettent d'être beaucoup plus bref dans ma présentation, puisqu'ils ont touché vraiment du doigt les sujets qui me tiennent à cœur avec des réponses pertinentes. Donc, j'ai trois petits points et un plaidoyer. Donc, mes trois petits points, c'est d'abord que je suis heureux d'entendre la liste des solutions innovantes pour redynamiser les bourses africaines et permettre de solutionner la liquidité réduite de certains marchés. Parce que ceci représente un frein pour les acteurs du capital investissement que nous sommes, en plus de l'utilisation de la technologie pour combler le gap de l'inclusion financière et boursière. C'est extrêmement important. Deuxième point, c'est que dans les 5 prochaines années, je pense que la finalisation de la mise en place d'un cadre juridique approprié pour le secteur de l'investissement généralement et plus spécifiquement capital risque, capital investissement, notamment dans la zone UEMOA, va être extrêmement crucial pour le développement de nos activités. Dernièrement et plus généralement, je pense que la mise en place de réglementations beaucoup plus souples et encore plus appropriées à nos réalités opérationnelles à travers tous les secteurs financiers
serait extrêmement utile pour que nous puissions faire ce que les intervenants précédents ont pu toucher du doigt. Mon plaidoyer est le suivant, c'est-à-dire que malgré les résultats du pilier 4 présentés plus tôt par M. Gable d'APSA dans sa présentation, il est clair que le niveau de liquidité en Afrique non utilisé dans l'économie réelle et active, comme je pense c'est M. Nying qui l'a dit, à savoir les compagnies locales, n'a jamais été aussi élevé en Afrique. Mais, comme l'a souligné le ministre Amadou Ott, pour que ces ressources puissent être déployées de manière plus efficace dans nos économies, il faut absolument accélérer la croissance dans les 5 prochaines années. Il faut des concertations plus fréquentes dans des formats encore plus efficients entre régulateurs, gouvernements et membres du secteur financier africain. Tous les pays qui se donnent ces moyens de concertation ont pu innover et avancer très rapidement. On l'a vu en Afrique de l'Est et on le voit dans beaucoup d'autres pays. Quand on regarde l'Afrique du Sud, même chose. Il y a des cadres de concertation réguliers et très efficients qui permettent aux différents intervenants de manière itérative de trouver des solutions aux petits blocages qui ont des conséquences assez sérieuses dans le déploiement et l'intermédiation de la finance dans notre région. Donc, c'est mon plaidoyer. Je profite de cette plateforme pour l'avancer. Merci. Merci, M. Ndiaye. C'est clair et concis. Docteur Olomo. Merci, M. le modérateur. Je prends en mon compte, en fait, toutes les interventions qui ont été faites par mes précédents co-panélistes et je voudrais, pour cet effet, saluer toutes les brillantes idées qu'ils mettent à l'avant-plan de l'agenda pour que nous puissions accélérer la réforme de nos pays dans l'ère post-COVID avec des marchés financiers beaucoup plus solides. Moi, je voudrais insister sur 4 points. Ces 4 points, je pense qu'ils ont déjà été peut-être énoncés quelque part. Le premier point, c'est la nécessité pour nous d'assurer la stabilité macroéconomique au niveau de nos économies individuelles et globales. Stabilité macroéconomique, pourquoi? Parce que c'est elle qui est en fait le point d'entrée et qui permet aux investisseurs de comprendre que nos économies vont dans le bon sens et que nos économies peuvent supporter justement et absorber toutes les ressources qui pourraient être mises à leur disposition. Et de ce point de vue-là, l'amélioration de la croissance économique, comme vient de le dire M. Pape, est tout à fait nécessaire, parce que s'il n'y a pas une croissance forte, évidemment, les ressources ne seront pas créées pour alimenter les marchés financiers. Le second point, c'est le renforcement de la stabilité des marchés des capitaux elles-mêmes, avec des réformes tout à fait optimales, des réformes qui permettent d'adresser les contraintes que connaissent les investisseurs lorsqu'ils veulent accéder à ces marchés financiers, notamment avec un accès beaucoup plus poussé pour les PME qui pourraient également tirer parti de cette opportunité de financement. Et le troisième point concerne la nécessité pour nous, qui est une urgence en fait dans le contexte de la mise en œuvre du programme panafricain d'intégration régionale avec la création de la zone de libre-échange continentale qui a été lancé en janvier 2021, il est important pour nous d'accélérer la transformation productive. Parce que si on ne produit pas, évidemment, il n'y aura pas cette croissance que nous souhaitons voir élevée, étant donné que pour atteindre les objectifs de développement de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable, il est nécessaire que nos économies aient une croissance de 7% en moyenne annuelle sur au moins 2 décennies. Et donc, cette croissance ne peut être tirée que d'un secteur productif qui est soutenu par des PME tout à fait capables de produire les biens qui sont nécessaires pour la consommation des consommateurs africains. Pourquoi est-ce que je le dis? Si vous regardez ce que nous dépensons chaque année en termes d'importation, vous verrez que nos économies dépensent pas moins de 1100 milliards de dollars pour les besoins alimentaires, alors que nous sommes une économie, un continent qui dispose de 70% des terres cultivables du monde. L'Afrique devrait se positionner aujourd'hui comme le grenier du monde. Et donc, cette
opportunité qui nous est offerte pourrait également susciter justement cet engouement pour le développement des marchés financiers. Le dernier point que je voudrais aborder est relatif à la nécessité d'accélérer le processus d'intégration régionale en Afrique, notamment avec la mise en œuvre de l'ensemble des dispositions du traité d'Abuja de 1991 et notamment avec la création de la Banque centrale africaine, du Fonds monétaire africain, de la Bourse d'investissement panafricaine, bourse pour laquelle nous travaillons avec l'Association des bourses des valeurs mobilières africaines. Et nous pensons que cette opportunité de créer cette institution panafricaine permettrait de limiter cette perception de la fragilité du marché boursier africain et également renforcera la conscience des investisseurs africains sur le marché africain. Un exemple qui a été pris ici, comment pouvez-vous comprendre qu'un pays, qu'un continent qui a de tels besoins de financement puisse utiliser ses fonds de pension pour financer plutôt les économies développées? C'est une aberration parce que les fonds dont nous disposons devraient être logés chez nous. Le dernier point, qui consiste également à tirer le meilleur parti des ressources panafricaines, c'est de limiter les flux financiers illicites. Flux financiers illicites qui pourraient être utilisés dans le contexte de la relance de nos économies et donc dans le contexte de la liquidité des marchés des capitaux. Je voudrais m'arrêter ici et vous redonner la parole, monsieur le modérateur. Merci. Merci, docteur. Donc, merci à l'ensemble des panélistes pour ces réponses assez intéressantes. Nous allons recueillir les questions, ouvrir les sessions de questions. Je rappelle également aux participants qui sont via le chat, qui peuvent envoyer des questions. Nous allons les enregistrer et également les adresser. Merci. La parole est à vous. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. Merci beaucoup. Donc, je me représente encore une fois, professeur Gilles Nabil, Maroc. Vraiment, c'est un séminaire de très grande qualité, panéliste, vraiment qui connaissent la réalité financière. J'ai appris beaucoup de choses de vous. Mais j'ai quand même quelques réticences. Je ne sais pas, j'ai senti que vous évitez un peu les quelques problèmes qui fâchent. Et notamment, dernier paniste, on a parlé, si on parle d'intégration financière, il faut parler de régime de change. On ne peut pas intégrer les marchés financiers sans aborder la question des choix de régime de change. C'est très, très important. Deuxième point, c'est qu'en Afrique, on parle de surliquidité de façon indirecte, qu'il y a une épargne, etc. Mais ça dépend en partie du contrôle de change. Demain, si on doit diviser un peu ce contrôle et donner plus la liberté à certaines circulations des capitaux, est-ce qu'on aurait toujours la même stabilité financière? Et j'ai peur qu'on n'a plus ce privilège de contrôler l'échange. Parce qu'avec ce qui se passe, avec les crypto-monnaies, il y a problème. Il y a problème. On a vu hier une crypto-monnaie qualifiée de monnaie stable qui a perdu en une journée plus que 90%, voire 98% de sa valeur. Depuis novembre 2021, aujourd'hui, les crypto-monnaies ont perdu quand même 55% de leur valeur. Et là, on est obligé d'en se diriger vers cette innovation financière ou monétaire. Mais un autre problème, c'est que nos monnaies dépendent des monnaies internationales. Entre les monnaies internationales, il y a une guerre des monnaies qui est claire. Le dollar américain, le yuan, l'euro, etc. Mais la guerre russo-Ukraine a rajouté un nouveau qui est la monnaie russe aussi. Quel serait l'impact de tous ces éléments d'incertitude sur le marché financier? Est-ce qu'on pourrait parler toujours de marge? Un des panistes a parlé de marge qui s'est réduite après la crise Covid, mais je crois qu'il va se réduire encore plus parce que les taux d'endettement sont très élevés. Mais avec en plus des pressions inflationnistes, parce que je crois que dans les mois à venir, voire les semaines à venir, l'inflation en Afrique va connaître quand même un changement crucial
à cause de ce qui se passe ailleurs, les autres pays ont pu quand même adopter un certain nombre de politiques monétaires. On parle d'hélicoptère monétaire, on parle de création monétaire, ce qu'on appelle. L'inflation est là. Il y a des records partout. Je crois que l'Afrique ne sera pas épargnée. Donc, comment cette épargne serait impactée? Comment on demande aux épargnants d'investir sur le marché financier alors que tout le monde s'attend à des pressions inflationnistes? Il y a des anticipations inflationnistes très élevées. Donc, dans ce contexte d'incertitude, les crypto-monnaies d'un côté, les pressions inflationnistes de l'autre, le contrôle des changes, la réforme du régime de change, l'écho, on ne sait plus où on peut le situer aujourd'hui. La réforme, c'est très important. En rajoutant à tout cela une intégration monétaire, tout ça, l'incertitude serait à un niveau en Afrique. Et là, parce qu'on dit qu'il faut assurer une croissance économique pour servir à la stabilité financière. Mais il y a d'autres qui disent qu'il faut peut-être assurer en amont la stabilité financière pour pouvoir avoir cette croissance économique. C'est le but, après tout. D'accord. Tout ça n'est pas clair dans ma tête et j'aimerais bien avoir plus d'éclaircissements. Merci. Merci pour cette question-là. Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'assistance? Bonjour. Merci encore une fois, chers panélistes, vraiment de la qualité des présentations. Alors moi, j'emboîte un peu le pas au professeur en disant que peut-être en soulignant l'intérêt qu'a eu nos marchés sous-régionaux, okay, notamment le marché humain à titre, au niveau de la relance après COVID. Parce que même si on ne le dit pas aujourd'hui, l'agence Humo à titre a connu un essor, okay, de telle sorte que les États ont eu quand même un gain d'énergie pour un peu recourir à de nouvelles sources de financement. On a vu passer donc les social bonds. Aujourd'hui, on a vu passer donc les obligations de relance des ODR. Okay. Et donc, par rapport aux questions, c'est vrai que les marges de manœuvre des États, vous l'avez dit, okay, le professeur l'a dit tout à l'heure, les marges de manœuvre des États africains, notamment au financement extérieur, sont en train de se rétrécir carrément. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage, j'ai envie de dire, élargir ou bien beaucoup plus intégrer les marchés sous-régionaux? En l'occurrence, par exemple, si je prends aujourd'hui la zone UEMOA, okay, l'agence UMO à titre, est-ce qu'il ne faudrait pas les intégrer? Et puisqu'on parle d'innovation, est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin? On a un peu vu, quand on retourne des siècles en arrière, la crise 1929, le marché financier américain, donc, était tellement développé que, même les ménages, peut-être, à de moindres mesures, avaient des accès au marché financier. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, ma question, il ne faudrait pas un peu plus intégrer les PME et les ménages dans ces marchés-là, plus précisément sur le marché des bourses, mais aussi sur le marché des obligations, en leur permettant peut-être à souscrire aux obligations qu'émettent les États? Une autre question, c'est peut-être concernant au risque qu'il y a aujourd'hui par rapport à la globalisation financière. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'intégrer davantage, je ne parle pas seulement au niveau d'Afrique, okay, mais au niveau international, est-ce que la globalisation financière ne peut pas causer un risque par rapport... parce que aujourd'hui, ce qui nous a un peu donné la chance, quand on retourne aux crises des subprimes 2008, okay, c'est que nos marchés africains n'étaient pas très intégrés par rapport aux marchés européens. Est-ce qu'aujourd'hui, en voulant un peu pousser la globalisation financière et en intégrant
ou bien en tout cas en essayant de lier les deux marchés, ok, entre continents, on ne court pas beaucoup plus de risques. Merci. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. C'est Mordiop. Mordiop. Bon, bonsoir. Je vais réconforter un peu le professeur, ce qu'il a dit tout à l'heure par rapport au régime de chance fixe et flexible. Maintenant, moi, ma question, c'est au docteur Amonounvé. Aujourd'hui, nous connaissons que sur la BRVM, il y a 46 sociétés. Et dans ces 46 sociétés, Sénégal en a que 3. Donc, dans ces 46 sociétés au Sénégal, nous n'avons que 3 sociétés. Donc, depuis de 1998 jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 3 sociétés cotées au niveau de la bourse. Est-ce que l'interconnexion des marchés a un avantage d'abord pour le Sénégal et dans le secteur de l'UEMOA? Parce que quand on regarde depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, bien vrai que vous nous disons que le marché est dynamique, il y a la résilience, mais on sait tous que à un certain moment, le marché chute. Comme en ce moment, nous sommes dans une période de paiement des dividendes. Certaines sociétés ont été corrigées. Est-ce que nous, en tant que pays de francophonie qui sont membres de l'UEMOA, est-ce que nous avons intérêt à aller dans une interconnexion des marchés, à savoir avec la bourse de Ghana, Nigeria et autres? C'est ça, c'est ma première question. Et donc, ma deuxième question, ça se pose auprès de Babacani. Vous avez dit tout à l'heure le financement par le private equity. Mais je dis aussi, si on utilisait la finance islamique, parce qu'on sait que l'approche qu'utilise le capital investissement, on investit l'argent chez vous, mais quand même, nous participons aux affaires administratives. Est-ce que si on consolidait la même chose en utilisant les SPAC, les chèques blancs, en utilisant la finance islamique et le capital investissement, une fois que les résultats ont été probants et les acheminés au niveau de la bourse? Donc, je me demande, est-ce que c'est possible d'intégrer la finance islamique pour un meilleur résultat? Merci. Vous pouvez vous présenter? Je suis Mamoudou Diaoubari, doctorant en sciences économiques. Y a-t-il d'autres questions dans l'assistance? Donc, il y a une dernière question, alors. Sur le chat et qui est adressé à Dr Amonounvé sur l'état de mise en œuvre du programme Elite BRVM Lounge. Voilà, il y a cette question-là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, donc je rappelle qu'il est toujours possible aux gens de poser des questions si à la fin de la session on n'a pas répondu, elles seront adressées plus tard. Donc, c'est toujours possible de poser des questions aux experts. Donc, nous avons eu, donc, disons, 4 intervenants, donc 3 en présentiel. Le professeur a soulevé, je pense, beaucoup de points en même temps. J'ai envie de répartir pour adresser les questions qui ont été soulevées par le professeur, que docteur Olomo et Dr Amenounvé puisse répondre aux différents points qui ont été soulevés par le professeur et que s'il y a besoin d'être complété par les autres experts, ils peuvent demander également la parole pour compléter. Donc, je passerai la parole à Dr Amenounvé pour répondre en tout cas aux points qui ont été soulevés par le professeur. Merci. Bon, effectivement, la question de la libre circulation des capitaux sur le continent est une question fondamentale pour l'intégration, pour la réussite de l'intégration. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'il y a effectivement une volonté d'une interpénétration économique sur le continent. Il y a des réformes majeures, il y a des initiatives majeures pour accélérer, je dirais, le commerce intra-africain. Mais la réussite de ces réformes
ne peut être effective qu'avec l'accélération aussi de la question de la liberté de circulation des capitaux et aussi de l'intégration, je dirais, de l'union bancaire, plus ou moins. Alors, le Maroc est un exemple. Vous voyez aujourd'hui la pénétration des banques marocaines, des compagnies d'assurance marocaines en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, etc. Ce qui permet non seulement de pouvoir accélérer la dynamique de financement de ces économies, mais également à ces banques-là de pouvoir consolider leur position sur le continent. Mais est-ce qu'on doit s'en arrêter là? Est-ce qu'on ne doit pas permettre aujourd'hui aux investisseurs institutionnels marocains qui ont des ressources de pouvoir investir sur des instruments financiers rentables dans l'ensemble du continent? C'est là où la question du contrôle de change est posée. Est-ce qu'on ne doit pas lever les barrières de contrôle de change pour permettre aux pays africains de pouvoir s'entraider ou de pouvoir effectivement avoir cette liberté d'investissement? Il y a des fonds de pension qui ont des ressources extrêmement importantes au Nigeria, au Botswana, au Maroc, en Égypte, qui cherchent des investissements, comme tout investisseur, d'investissements rentables. Donc pour nous, l'objectif, c'est de travailler à ce que, ou de pousser nos États à lever ces barrières, à réduire le contrôle de change de manière à favoriser l'investissement en portefeuille dans l'ensemble du continent. Je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison à ce que l'on ne le permette pas. Si on ne le permet pas, on va continuer à avoir, je dirais, des marchés fragmentés, sans possibilité pour les investisseurs de pouvoir profiter des opportunités qu'il y a dans d'autres pays. La BRVM est un exemple palpable. Et ça rejoint un peu le sujet que notre ami ou nos amis ont soulevé. Au moment où on créait la BRVM, il y a certains qui se disaient, mais pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir un marché unique pour les pays de l'UEMOA? Est-ce que ce marché ne profiterait pas seulement à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal, qui sont les deux économies les plus importantes de notre sous-région? Mais aujourd'hui, quelle est la réalité? La réalité est que tous les pays profitent du marché et que les institutionnels ivoiriens ou sénégalais souscrivent aux titres émis par le Togo, le Bénin ou le Burkina Faso. Mais c'est ça aujourd'hui la réalité. Et c'est ça qu'on veut faire à l'échelle continentale. Plus ou moins répliquer ce modèle BRVM aux sous-régions déjà la CEDEAO et éventuellement à l'ensemble du continent. Donc, les craintes qui peuvent être, je dirais, celles relatives au poids ou aux inconvénients d'une ouverture des marchés de capitaux à l'échelle continentale, la BRVM a démontré qu'au contraire, ça profite aux pays qui, effectivement, ont moins de ressources que d'autres qui sont en excédent de ressources. Donc, ça, c'est sur la question du contrôle de change ou la liberté de circulation des capitaux. Il faut absolument que l'on puisse alléger cela parce que sinon, on ne donnera pas la plénitude aux réformes qui visent à intégrer nos économies. Sur la question maintenant des crypto-monnaies, de toutes ces évolutions qu'on observe, enfin, je pense que les autorités monétaires se sont saisies de ces questions-là. La prudence reste, en tout cas de mon point de vue, quelque chose qu'il faut observer. Il y a des évolutions qui sont indispensables, qui sont irréversibles. Tout ce qui est monnaie électronique, ce sont des évolutions qui aujourd'hui ne posent pas de problème, effectivement. Mais sur les questions de crypto-monnaie, etc., vous-même, vous avez donné l'exemple aujourd'hui du risque que l'on observe et de la volatilité que l'on observe sur certaines de ces monnaies. Il est nécessaire qu'il y ait une approche plus prudente pour des économies qui sont déjà dans des phases de fragilité extrêmement importantes avant de s'embarquer, je dirais, sur ces sujets-là. D'autant plus que nous avons choisi dans certaines régions d'avoir une communauté monétaire.
Et la communauté monétaire, c'est la solidarité. C'est la solidarité monétaire. Et par conséquent, il y a les bases de la solidarité qui nous amènent à agir ensemble sur ces questions-là. On ne peut pas le faire de façon isolée. S'agissant maintenant, je dirais, de la question de l'inflation. Bon, il faut qu'on regarde. Regardez, nos pays, pendant 10 ans, 15 ans, ont eu un niveau d'inflation très bas. C'est avec la crise sanitaire et cette crise aujourd'hui, cette guerre russo-ukrainienne, que nous avons une résurgence de l'inflation dans nos pays. Donc, ce n'est pas conjoncturel. Ce n'est pas structurel pour nos pays. C'est vraiment conjoncturel. Et par conséquent, on ne peut pas aujourd'hui, sur la base de cette évolution-là, remettre en cause les réformes qui sont faites pour pouvoir accélérer le développement économique de nos pays. Il faut continuer à travailler sur le développement économique, sur les réformes qui vont accélérer le développement. Maintenant, l'inflation, elle est importée, elle est exogène, elle est moins endogène que ce que l'on peut imaginer. Et par conséquent, il faut travailler sur les sources qui, aujourd'hui créent cette inflation-là, qui nous préoccupe, sur laquelle on doit travailler effectivement pour qu'on retrouve les niveaux qu'on avait il y a quelques années et qui ont montré justement la stabilité économique que nous avons eue dans nos pays. Sur la question, du Sénégal, le poids du Sénégal, c'est vrai que notre souhait, c'est que nos pays aient plus de sociétés cotées. On n'est pas là juste pour qu'on ait une bourse ou une bourse qui est sur 8 pays, mais avec 46 sociétés cotées. On aurait bien aimé qu'il y ait beaucoup plus de sociétés sénégalaises qui soient cotées à la BRVM. Et nous travaillons avec les autorités sénégalaises sur le sujet. Vous savez, il y a trois façons d'alimenter les bourses. Il y a les privatisations, il y a les sorties de fonds de private equity et les admissions volontaires d'entreprises du secteur privé. Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de privatisation sur le continent. Nous avons fait une étude récente avec la SFI sur le sujet. Il y a un potentiel de 2000 entreprises africaines à privatiser par le marché. Vous imaginez, ça va doubler le nombre de sociétés cotées sur le continent. Et le Sénégal a un vivier qui n'est pas négligeable en matière de privatisation. Vous le connaissez, vous connaissez les grandes entreprises sénégalaises qui restent encore des entreprises d'État ou à participation majoritaire de l'État. C'est là où nous saluons les réformes engagées par le Fonds 6 et comment le véhicule du Fonds 6 est utilisé aujourd'hui pour assurer cette transition-là que nous applaudissons vers justement l'évolution progressive vers la cession progressive des participations de l'État sénégalais au secteur privé et par le marché. Donc, tous les véhicules, toutes les réformes qui sont envisagées nous semblent être pertinentes. Donc, c'est pour moi quelque chose qu'il faut encourager. C'est aussi la question du private equity. On a AFIG, on a pas mal de fonds d'investissement qui arrivent au Sénégal, qui travaillent, qui améliorent, je dirais, la gouvernance des sociétés privées. Mais on doit désormais créer les conditions pour les faire sortir par la bourse. Et forcément, ça va aider à accroître le nombre de sociétés sénégalaises qui sont cotées. Mais il y a le secteur privé sénégalais aussi. On a pas mal d'entreprises sénégalaises qui ont atteint une certaine taille, qui sont, qui ont déjà adopté des normes de gestion et de gouvernance qui sont des normes assez élevées, qui peuvent prétendre aller sur le marché. Mais il faut que nous puissions lever les freins qui aujourd'hui font que ces sociétés ne viennent pas. Souvent, c'est des sociétés familiales où il y a des réticences liées à la perte de contrôle, à la transparence, etc., qui font que, bon, on ne veut pas trop s'aventurer à la bourse. Il faut qu'on travaille à éduquer, à sensibiliser davantage les entrepreneurs privés sénégalais pour qu'ils voient la bourse comme un instrument de pérennisation de leur activité, de leur société, au-delà de leur personne. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est un sujet également sur lequel nous travaillons sérieusement.
Sur la question des bénéfices de l'intégration. Alors, c'est vrai, les gens me disent, mais pourquoi est-ce que les pays francophones, on est petit, on veut aller vers une intégration africaine, est-ce qu'on ne serait pas bouffé par le Nigeria, par l'Égypte, par l'Afrique du Sud? C'est justement ce genre de crainte qu'il ne faut pas avoir. Il faut surtout, en matière économique et financière, profiter quand on est un pays de taille petite ou moyenne, des grands pays. Vous savez, l'Asie ne serait pas ce que l'Asie est aujourd'hui sans la Chine. Les pays asiatiques ont su profiter de l'importance de la Chine et de l'importance de la manne financière de la Chine pour l'ensemble des pays asiatiques. Mais alors, si nos voisins nigériens, ghanéens ont de l'argent, mais pourquoi on aurait à craindre de pouvoir attirer leurs capitaux pour développer, pour aider à développer nos pays? Pourquoi on aurait cette crainte-là? Donc, l'intégration ne doit pas nous faire peur. Bien au contraire, surtout nous qui sommes dans des environnements aujourd'hui à stabilité monétaire, nous qui sommes dans un environnement où la croissance économique reste quand même relativement forte dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, nous avons tout intérêt à ce que nous puissions nous appuyer sur l'intégration pour accélérer, je dirais, le développement économique de nos pays. Pour répondre très rapidement sur Elite, c'est un programme qui continue, je dirais, d'avancer. Nous allons certifier les entreprises qui sont dans le programme. Nous avons, je crois, 6 entreprises sénégalaises actuellement sur les 30. Et dans nos discussions, il y a au moins 2 qui ne commencent pas à taper à la porte de la BRVM. Nous espérons que ces 2 entreprises sénégalaises donneront l'exemple pour venir sur notre compartiment des PME et donc entraîner d'autres PME sénégalaises à venir sur la BRVM. Merci, docteur. Merci pour ces réponses. Et je pense que ça adresse pas mal de points et de questions qui ont été déjà soulevées. Donc, je vais donner la parole à docteur Olomo pour être. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Et comme je l'avais dit au début, le sujet est très intéressant. Les questions également qui sont posées sont très, très intéressantes. Mais nous avons un peu débordé sur le temps. Donc, je vous donnerai peut-être juste cette question qui a été posée par M. Diop et un peu une partie du professeur, un peu sur un peu les risques de la globalisation financière et de l'intégration de ces marchés-là. Comment vous le voyez quelque part? Je pense que le reste, le docteur a déjà répondu avant qu'on passe la parole à Monsieur Ning sur la question qu'il y a été posée de manière directe. Merci à vous, docteur. Merci beaucoup et je pense que, comme vous le disiez tantôt, le docteur Amenouré a répondu à beaucoup de questions. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est le fait que l'intégration pour l'Afrique n'est pas une question à discuter. C'est-à-dire que l'intégration des marchés africains n'est pas une question discutable. Il faut s'intégrer. Il faut s'intégrer pourquoi? Parce que la fragmentation de nos marchés, que ce soit les marchés financiers ou les marchés des biens et services, ne nous sert pratiquement à rien. Il est donc nécessaire que nous renforcions notre intégration financière et que nous fassions ce qui est nécessaire, comme le docteur le disait tantôt également, pour accélérer la transformation productive. Au niveau de l'Union africaine, cette question de transformation productive est tout à fait au cœur de l'ensemble de nos interventions et de notre plaidoyer auprès de nos États membres, parce que du fait de la crise de la COVID-19 et de l'actuelle crise russo-ukrainienne, on peut voir qu'il y a cette inflation importée qui devient de plus en plus importante dans nos économies, inflation qui vient justement mettre à mal tous les efforts qui avaient été faits en termes de stabilité économique et stabilité financière. Et donc, de ce point de vue-là, il est important de s'attaquer aux causes profondes de cela. La cause profonde, c'est la forte dépendance de nos économies par rapport à la production extérieure. Comment pouvez-vous comprendre que nos économies aujourd'hui importent encore du blé qui sert à fabriquer, à préparer du pain? C'est tout à fait inacceptable. Il faut qu'on puisse produire et transformer localement les produits qui sont indispensables pour la consommation des Africains. Et nous allons, de ce point de vue-là, trouver une solution durable au problème d'inflation. Cela nous permettra également de
développer ou de mobiliser l'ensemble des ressources dont nous disposons et qui pourraient être canalisées vers nos marchés financiers. Mais il y a un point que beaucoup, que nous n'avons pas abordé ici et que je voudrais aborder enfin, c'est celui de l'intégration bancaire. Parce que si les banques ne sont pas intégrées, avec notamment le projet que nous avons actuellement, celui de la création de la Banque centrale africaine, ces questions de contrôle de change continueront de se poser avec une acuité beaucoup plus importante dans les années qui viendront. Et donc, il est nécessaire pour nous d'avoir une Banque centrale africaine, d'avoir une monnaie commune et de pouvoir ainsi proposer au marché international, aux marchés financiers internationaux, une monnaie africaine qui pourrait être une monnaie forte, une monnaie stable, une monnaie qui permettrait d'accélérer la transformation collective. Donc, je vous remercie. Merci, merci docteur. Je vais donner la parole pour, en une minute à Babacar Nying pour répondre à la question qui a été posée avant de conclure et de terminer cette session. Ok, merci bien, monsieur le modérateur. Peut-être si vous permettez également, dans ce cas, 30 secondes, je répondrai une partie des questions du professeur. C'est juste pour dire en fait que bon, vous avez raison sur les sujets que vous avez soulignés, c'est des paramètres qu'il faut intégrer pour la solution à déployer. Mais en fait, la question qui se pose, c'est une question structurelle. Structurellement, l'Afrique a un besoin de pouvoir attirer massivement des investissements privés dans les secteurs stratégiques et également augmenter la part des capitaux africains dans ces investissements privés. Quand vous regardez sur l'électricité, je vous donne un exemple. Dans les années 2000-90, on avait énormément de problèmes d'électricité. Et en fait, le secteur était totalement révolutionné parce que on a pu faire venir avec les IPP énormément d'investissements privés. Donc, si vous donnez le cas du Sénégal, en 2012, on avait 590 MW installés dans tout le pays. Actuellement, on est pas loin de 1500 MW et on va continuer vers 2500 en 2025. Quand vous regardez qui a financé ces investissements privés à travers des IPP, peut-être si on n'avait pas les IPP, le gouvernement, l'État avec les pressions budgétaires n'aurait pas pu le faire. Donc, c'est une vraie question structurelle qu'il faut adresser. Maintenant, on ne peut pas bâtir une stratégie à long terme juste en réaction à des problèmes conjoncturels, comme l'a rappelé le docteur. On a besoin, en fait, effectivement, d'en tenir compte, mais quand même de répondre à cette question structurelle qui est là. Et également, pour terminer, sur ces capitaux privés qui financent nos secteurs, essentiellement, ça vient hors du continent. Donc, du coup, aujourd'hui, on sait qu'ils sont là, on sait que dans l'immobilier, les gens sont là, on sait que dans les banques DAT, les Africains mettent de l'argent. Maintenant, comment faire pour qu'un Africain qui a de l'épargne, quand il investit dans un instrument financier, il a un retour supérieur à ce qu'il va avoir sur l'immobilier ou en fait sur les DAT et également moins de risques. Je n'ai pas la réponse, mais je pense que c'est ensemble avec tous les acteurs qu'on pourra trouver en intégrant les ingrédients dont vous avez parlé. Sur la finance islamique, vous avez parfaitement raison. La finance islamique, en fait, tout à l'heure quand je parlais, je disais il faut des instruments financiers avec une plus grande tolérance au risque. Et la finance islamique en fait partie. Parce que dans la finance islamique, vous avez en fait ces deux caractéristiques. Ce partage des risques avec celui qu'on finance, mais également le fait de financer des actifs réels, non pas des actifs en fait qui n'existent pas. Et c'est la raison pour laquelle le Fonds 6, en tant que fonds souverain aujourd'hui, a investi dans la première ou la deuxième institution de microfinance au Sénégal, justement pour pouvoir accélérer le déploiement de ces solutions-là qui répondent en fait également à un état d'esprit socioculturel que nous avons au Sénégal, notamment au niveau des dépôts, par exemple, par rapport à l'épargne. Beaucoup de gens n'épargnent pas dans le système bancaire parce que pour des questions de conviction religieuse, ils ne veulent pas toucher aux intérêts de rémunération. Dans la finance islamique, vous n'avez pas des intérêts directs, mais vous avez une rémunération liée à la performance de l'organisation. Et donc, du coup, à double titre, la finance systémique, elle est pertinente et fait partie des solutions à accélérer à court terme. Merci. Merci. Avant de passer et de conclure ce panel, vous avez entendu, mesdames et messieurs, des mots-clés qui vous permettront de continuer la réflexion. Nous avons entendu parler d'intégration des marchés, donc avec une accélération de cette intégration-là. Nous avons entendu parler d'utilisation des nouvelles technologies. Nous avons entendu parler de faire plus de fonds de private equity fund et de faire des fonds d'investissement également. Nous avons entendu un plaidoyer qu'on prend, nous donneurs d'ordre, sur la concertation entre les régulateurs, également les gouvernements et les fonds, les différents fonds qui existent. Mais également, nous avons entendu parler de créer également, d'avoir une approche panafricaine avec la mise en œuvre de cette zone de libre-échange pour pouvoir faire plus de production du Made in Africa. Je rappelle que l'Afrique, en 2050, nous serons 2,5 milliards de population comparé à l'Amérique qui sera environ 400 millions et l'Europe à peu près, c'est le même chiffre. Donc, ça vous donne une idée des marchés aujourd'hui et du potentiel de développement au niveau de l'Afrique. Mais également, nous avons entendu parler de mettre des institutions comme la Banque centrale de l'Afrique
le Fonds monétaire africain et des institutions également pour une bourse aujourd'hui également panafricaine. Donc, tous ces sujets-là sont des sujets aujourd'hui intéressants sur lesquels nous n'avons pas pu continuer, mais je pense qu'il faudra suivre en tout cas les développements à la suite de ce panel-là. Les sujets restent des défis, je pense, pour chacun de ces experts pour lesquels vous avez eu la chance. Et je vous I hand you over. Wow, what an enlightening discussion. I would like to thank all our guests joining us both here and virtually, and to our very distinguished panelists for sharing their insights. We note many areas of alignment on innovation in capital markets. We also note a very valid challenge from the professor that we must be bold enough to face the challenges that would arise from integration, digital assets, and uncertainties that are beyond the continent. As ECA, we affirm our commitment to continue working with our member states, our partners, to continue exploring how we can deepen our capital markets, because we believe that they are critical in providing opportunities for investors to deploy their short-term and long-term savings, as well as provide funding at scale for businesses to invest. And finally, I would like to thank Africa Securities Exchange Association and FONSIS for partnering with us to bring this engagement this afternoon. And we look forward to further engagement as we take forward the recommendations and the practical sharing that we've had from Say Senegal on how when government works with private sector, it is possible to make investments that actually drive development. Thank you. Merci à tout le monde. Yes, sure.